Andrea. Comme ça, tu vis depuis un an à Paris avec un garçon et tu nous apprends ça aujourd'hui. Réponds. Eh bien, réponds. Mais tu lui fais peur, Simon. Ne la brusque pas comme ça, enfin. Maman, hein? C'est un gentil garçon, papa. Vraiment sérieux. C'est lui qui a parlé le premier de mariage. Que font ses parents? Que font ses parents? Allô? Ne quittez pas. C'est pour toi. Oui, allô? Oui. J'aurais parlé, oui. Et toi? Oui, moi aussi, ouais. Il est ravi. Salope. Il a sorti le champagne, on se préparait à fêter la nouvelle. Ah oui, j'ai mon verre dans la main, écoute. Notre amour, Andrea. Je vais te le passer. Papa? Papa? Non. Non. Allô? Je bois votre bonheur, Andrea. Merde. Non, excusez-moi, je viens simplement de placer mon verre. C'est pas grave, c'est du verre blanc, ça vous portera chance. Tiens. Une salope, c'est une... Il est sympathique, ton père. Écoute, je suis avec mes parents. Je te rappelle demain matin. Non, non, rien, ne t'inquiète pas. Moi aussi, à demain. Ça s'est très bien passé. Je suis contente. Et tu as vu comment on entendait bien? À croire qu'il appelait de la pièce à côté. C'était d'une clarté, alors. Bien, je... Il est tard, je monte. Bonne nuit. Andrea, on t'a demandé ce que faisaient les parents de ce jeune homme. Ses parents? Rien. Enfin, si, c'est-à-dire qu'ils sont en vacances sur la côte. Mais enfin... Ils sont tout de même pas toujours en vacances. Ah non. Alors que fait le père? Le père, il a des activités artistiques. Artistiques? Enfin, plutôt culturelles en somme. Voilà. Il est attaché culturel, c'est ça. Il est attaché culturel à l'ambassade italienne. Ah bon, il est dans la carrière. Oh, c'est bien la carrière, hein? Je ne crois pas que c'était la première chose à nous dire. Et la maman travaille? La maman... Non, non. La maman, elle s'occupe de ses enfants. Oh. Elle en a des tas. Bonjour.